Et bonjour à tous, donc c'est Matt du 29. Donc comme prévu, là en fait je ne fais plus je vais pas faire 4 épisodes vu que dans l'épisode sur Retrack sur Farming j'en ai fait 5. Ben je vais faire pareil, je vais en faire 5 ici. Alors attendez, j'ai plus de piles dans ma souris. Quelle merde. Donc du coup on va conduire. Donc je sais plus où j'étais arrivé. Donc c'est la dernière version de la Truck Sim Map qui vient de sortir, qui est sortie le 20 octobre je crois. Allez, c'est reparti. Ah, donc ouais, il nous reste quand même 14 minutes. Donc on a le rodage jusqu'à 90. Aïe. Donc on va monter jusqu'à 90 alors. Hop, 90. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, on reste sur cette autoroute. Donc là, comme j'ai dit, il y a quelques minutes, faire un épisode, une session de 5 épisodes de 15 minutes. Là c'est parti pour voilà, pour 5 épisodes du coup. Alors c'est pour faire un peu comme j'ai fait avec Farming la dernière fois, c'est juste que en fait dans Farming j'ai 5 épisodes pensant faire 4 alors qu'on en fait 5, mais bon j'étais bien parti alors une fois que j'étais lancé ben j'ai continué quoi, on va dire. C'est pas grave hein, ça peut arriver. Du coup je vais faire 5 comme ça au moins on sera arrivé à Execo sur celui-là. On avance tranquillement. Donc sur cette partie, bah, je garde cette map pour l'instant. Dis-moi cette carrière. Vers la carte, il la met à jour presque 2 fois dans le mois, je crois. J'ai l'impression. Ils viennent de sortir une nouvelle carte, c'est pour ça que je dis ça. Si ça va diminuer un peu, 40 je pense. Un péage, un endroit pour dormir, mais j'ai pas besoin de dormir, il me reste encore 8 heures à faire, ou plutôt 8 minutes à
avant de dormir. Donc ça va. Donc normalement les camions c'est le plus avantageux. On rate, logiquement. Ça te rend. Allez, c'est reparti. L'essence c'est bon. On s'arrête pas au parking, à la station, on continue. Voilà. Bon, je vais me déporter comme ça. S'insérer. On va dépasser, on va essayer de dépasser ce camion sans faire trop de dégâts. Et là en arrivant en Suisse. Voilà. Ça c'est bon. On approche. Faire à mesure, mais on avance. Voilà. Heureusement d'ailleurs qu'on avance. Parce que sinon, ça n'irait pas. Je pense que la prochaine fois que je fais une coupure, je ferai de l'essence. Comme ça, on sera sûr. Là, il accélère tout seul. C'est ça qui est bien avec le régulateur ou le cruise control comme on appelle. Mais bon, en France ça s'appelle le régulateur de vitesse. Autrement dit, on met une vitesse et puis le véhicule, que ce soit une voiture ou un camion ou tout ce qui est le cruise control. Et ben en fait il roule à la vitesse indiquée, donc c'est à dire que si il voit qu'on va trop vite, ben il ralentit tout seul, et si on va pas assez vite, ben il fonce. Donc dans les côtes il accélère, et dans les descentes ben il décélère. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là c'est parti. Normalement dans les tunnels, normalement, si on apprend bien son code, tout ce qui est tunnel, on doit allumer les feux normalement, mettre les phares. Et voilà, et dès qu'on sort, on peut les éteindre. Logiquement, je dis bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas encore besoin de dormir. C'est juste un parking, donc ça fait grand chose. Allez, c'est parti. Allez, on continue encore jusqu'à un certain temps, et après l'épisode sera terminé. Donc, ça j'aimerais bien aussi avoir une remorque avec des
de transporteur de voiture là. Heureusement que j'ai un bon volant hein. Pour finir la route. Hop là, c'est bon. Je continue. Je peux pas sortir. Ah, il y a un qui travaille. Quoi, avec cette vitesse? Ça va être 80 ici, je pense. Ah ouais, c'est 80. Bien, pas fini. On va monter jusqu'à 80. Alors. Hop là, ouais, 80. Pas plus, pas moins. Ils font des travaux dans le tunnel, donc c'est pour ça. On y est presque. Ça s'avance vite le temps. Qu'est-ce qu'il y a dans le tunnel? Que ça dure une éternité, c'est pas possible. Bon, on roule à combien non? C'est bon. Allez, go. Bientôt se dire à la prochaine aussi, parce que ça va être la fin de l'épisode et le début d'un autre. Donc vu que c'est la fin du premier épisode, on va se dire, donc n'oubliez pas les petits pouces verts, qui font toujours plaisir, ça montre la popularité de nos vidéos, de vous abonner si ça peut déjà fait, et puis bien sûr, de laisser des commentaires qui sont les bienvenus sur ma chaîne ou sur moi sur mes vidéos si ça vous plaît ou voilà. Donc on se dit à la prochaine et ciao tout le monde.